Hey, salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Call of Duty Black Ops. Mais en fait, c'est surtout ce que j'ai à vous dire qui est le plus important. Après, le gameplay en soi est pas top, hein. C'est vraiment un gameplay pourri, mais j'ai pris pour un gameplay qui me venait. Parce que en fait, c'est surtout ce que je dis qui va être le plus important. Et pas forcément ce que je veux, c'est pas ce que je veux vous montrer, c'est pas mon skill, hein. De toute façon, je peux faire des meilleures parties, mais voilà quoi. Enfin bref, je veux parler d'autre chose. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du programme, donc de la chaîne, de cette chaîne donc, qui est Kraken et Reaper, et donc du programme à venir. Je vais aussi vous parler du programme pour l'instant actuel, parce qu'en fait, il faut savoir que pour l'instant, Kraken est en vacances. On a tourné du contenu avec lui ensemble juste avant qu'il parte. Malheureusement, il y a une vidéo qui est partie à l'oubliette parce que il y a eu des bugs, de trop nombreux bugs. Et du coup, ça fait une vidéo en moins. Néanmoins, j'en ai déjà mis une, donc celle sur Drive Club. Il y en aura une autre mercredi prochain. Le jeu, je vous le dirai pas. Et dans ces vidéos, en fait, au début, ça bug légèrement. C'est tout simplement parce qu'en fait, on a enregistré ça à partir de live. Qu'on a mis les rediffusions des lives donc sur la chaîne. Et après, quand on veut les mettre, on les met. On les met, on les publie. Pour l'instant, elles sont prêtes. Mais elles sont prêtes en privé, quoi, en fait. Donc c'est pour ça en fait les lives on peut pas prévoir quand ta co part en couille, donc c'est il y a déjà une vidéo qui est partie en couille comme à cause de ça. Les deux autres marchent bien sauf au début j'ai l'impression, mais sinon après pour la suite ça va, ça marche nickel. Donc voilà, on vous prévient d'avance par rapport à ça, mais non, vous inquiétez pas, normalement après la suite de la vidéo sera largement meilleure. Ensuite donc comme je vous disais, là pour l'instant j'ai commencé un let's play sur Shadow Warrior et pour l'instant c'est moi qui m'occupe de la chaîne. Donc vous allez vous dire pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, comme j'ai dit, Kraken est en vacances, mais dès qu'il revient, il a plein de trucs en tête. Il me l'a redit encore tout à l'heure, donc il a plein d'idées en tête et il va vous proposer plein de trucs, vraiment. Ensuite, on a un let's play en coop à venir aussi, donc tout en ce que tout, en même temps que Shadow Warrior continue, parce que Shadow Warrior risque d'être assez long. Donc voilà, c'est tout pour le mois d'août. Donc ce sera des vidéos détente. Il aura aussi un mini let's play sur un jeu mystère. Un gros let's play qu'on fera ensemble tous les deux. Et moi j'ai mon let's play Shadow Warrior, donc voilà, c'est plutôt pas mal, le programme est plutôt chargé. Donc ça sera, donc il y aura deux vidéos de let's play. Enfin, de chaque let's play par semaine, plus une vidéo détente ou deux, si on est vraiment motivé, deux. Donc en gros, le lundi, mardi sera Shadow Warrior, mercredi vidéo détente, jeudi, vendredi, j'ai pas envie de vous dire le jeu, vous verrez bien. Et samedi, si on est vraiment motivé, bah il y aura une autre vidéo détente. Donc voilà. Ensuite pour Shadow Warrior, là ça dure 30 minutes. Faut savoir quand normalement en deux épisodes je termine un chapitre. Les chapitres sont quand même assez longs, ils font à peu près une heure. Donc là pour l'instant en deux épisodes je fais un chapitre. Là pour l'instant ça fait rien parce que je mets 4 Shadow Warrior par semaine, plus la vidéo détente de mercredi. Donc pour l'instant ça change rien, ça fait toujours 2 chapitres par semaine. Mais quand Kraken reviendra, ça fera plus qu'un chapitre par semaine. Donc pour contrer ça, j'ai essayé de faire en sorte que la durée des vidéos se grossisse. Que ça passe, au lieu de 30 minutes, ça passe à peu près 50-55 minutes par vidéo. Pour que ça fasse toujours 2 chapitres par semaine. Pourquoi? Parce que je me suis remarqué un truc, c'est que sur le jeu, il y a 19 chapitres. Si je faisais un chapitre par semaine, au mois de novembre, j'aurais toujours pas fini. donc voilà, pour vous dire, hein, c'est... juste pour ça, pour éviter que le let's play dure trop longtemps. Je sais que les vidéos longues c'est pas très très bien, mais là vraiment j'ai pas le choix. Après je voulais pas vous proposer non plus tous les jours le machin, parce que sinon ça aurait, voilà, vous aurez plus le temps de regarder après. Donc du coup on s'est mis d'accord, du coup lundi et le mardi il y aura juste Shadow Warrior. Ça sera plus long certes, mais ce sera plus long d'à peu près 20-25 minutes tant que je termine le chapitre. Parce que généralement les chapitres je mets, certains chapitres font moins d'une heure quoi. Donc ce changement se fera dès que Kraken reviendra. C'est à dire pas cette semaine, mais à partir de la, pas de la semaine prochaine, mais à partir de la semaine d'après. Et du coup voilà.
Ensuite, donc tout ce qui est vidéo détente, ben ce sera tout, hein. Ce sera des jeux qui nous passeront, enfin qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de vous présenter. Lui, il en aura une chier. Il a une bonne liste à vous présenter. Moi, pour l'instant, comme j'ai dit sur Drive Club ou sur Injustice, je crois, c'est une petite vidéo FF15, histoire de dévoiler toutes les infos qu'il y aura à la Gamescom. Histoire de voir si le prochain let's play que je ferai après Shadow Warrior c'est FF15 ou Fallout 4. En tout cas, dans tous les cas, ce sera un RPG. Et un RPG assez long quand même. Donc, du coup, ce sera un gros let's play à venir. Quoi d'autre? Aussi, en fin d'année, je compte avoir un PC, un vrai PC cette fois-ci. Et du coup, à ce moment-là, je ferai des streams, pas directement de ma PS4, mais depuis mon PC. Ce qui me fait en sorte que je pourrais stream, par exemple, sur des jeux PS3 ou PS2. Et du coup, à ce moment-là, je ferai beaucoup plus de streams, déjà de 1. Et aussi, j'ai prévu déjà des choses en stream qui seront peut-être en rediffusion sur la chaîne. Je ne sais pas, je verrai bien. Je verrai bien plus tard. De toute façon, ça c'est pas prêt d'arriver avant la fin d'année, voire début d'année prochaine. Donc voilà. Enfin bref, donc pour ma part, après Shadow Warrior, c'est comme je vous l'ai dit Fallout 4 ou FF15. Kraken, je pense, je vais vous laisser la surprise. Je connais les deux jeux, hein, vraiment. C'est juste que j'ai pas envie de vous les dire. Le deuxième, ça peut être marrant. Le Let's Play en coop, vraiment, je vous conseille, ça va être très 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 marrant. Ça risque de partir en couille, ça va être juste énorme. Enfin bref, donc je vais vous laisser, hein, je vais pas vous déranger plus longtemps. Donc comme j'ai dit, le gameplay est dégueulasse, je sais, mais c'était juste histoire de vous occuper les yeux le temps que je vous parle. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, ça fera réellement plaisir. Du coup, moi je vous dis à demain pour du Shadow Warrior. Et puis Kraken vous dit donc à pas jeudi prochain, jeudi d'après. Quoique peut-être mercredi, hein, parce que si ça se trouve, je préparerai quelque chose pour mercredi. À moins. Enfin bref, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Allez, ciao. Les radars actifs, ils sont aveugles.